Eh bien, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, allez, à la minute, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Du coup, aujourd'hui, on va faire la deuxième partie du nouveau coronavirus. Mais avant de vous présenter cette deuxième partie du coronavirus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette petite vidéo, s'il vous plaît. Du coup, sans attendre, de coronavirus. En 24 heures en Corée du Sud, un premier cas en Afrique subsaharienne au Nigeria, la Lituanie et la plus concernée. Dans le nord, certains villages sont passés à la quarantaine, alors que dans les grandes villes, les habitants se ruent dans les pharmacies. Reportage de l'envoyé spécial Solène Tavernier, Emmanuel. L'entrée se fait au compte-gouttes. Face à la progression du coronavirus, les carabinieri des forces de l'ordre transalpines déploient les grands moyens. Sauf dérogation, personne n'entre ou ne sort des villes. Ouais, Pacha a le droit de quitter la ville et d'entre. Comme ici en Lombardie, chaque véhicule est contrôlé. Nous vérifions que les personnes qui veulent accéder dans la zone rouge ont bien le droit. Pas de condonion. Et que les personnes qui ne l'ont pas n'y accèdent pas. Non, mais qu'est-ce qu'il y a le coronavirus, je n'ai pas le droit d'entrer. Ce truc là. Non, mais c'est pour une raison spéciale, tu veux dire. Les consignes sont strictes, seuls les médicaments ou les biens de première nécessité peuvent être livrés. Comme la nourriture, acheminée par le chauffeur, pas vraiment assuré. Ouais. La situation là, ça vous inquiète ? Ouais, pas vraiment. J'ai un peu peur, oui, c'est sûr. Mais j'ai livré parce que les gens doivent quand même pouvoir manger. Là-bas, c'est comment ? As-tu parlé avec les gens de Casa Cousternango ? Non, là-bas, j'ai livré. Et basta, c'est tout. La Lombardie est l'un des principaux foyers de contamination avec la Vénétie. Plus d'une dizaine de villes sont confinées, coupées du monde. Notre équipe a tenté de passer l'un des barrages pour s'y rendre. Non, tu t'as fait du tout. Et tu dis. Pourtant, en nous voyant un peu en empruntant les routes secondaires, notre équipe a pu accéder à la petite ville de Codogno. C'est ici qu'a démarré l'épidémie. Non, c'est bien ce que vous arrêtez de filmer. L'épidémie rend tout le monde encore plus parano que d'habitude. Ah ouais. Quand même. Notre chance, quelques blocs plus loin, la situation est encore plus décourageante. Non mais ils sont contrôlés. Est-ce que vous avez des masques ? Ils sont en rupture de stock. Moi je pense pas. Si tu veux autre chose, ils te le donnent, sinon ils laissent les portes fermées. Ouais. Ici, les pharmaciens n'ouvrent même plus leurs portes et se cachent lorsque nous tentons de leur poser des questions. Oh là là, je sais rien. Il va pas bien. Sponge. Mais comment lutter contre cette épidémie sans masque ? La situation ça sera compliqué sans masque. Je décide d'aller place Tiananmen pour constater la situation au cœur de la ville. Les trottoirs du centre-ville sont fermés, alors seule solution, faire le tour de la place en vélo. Au nord de Tiananmen, la cité interdite, des policiers partout pour en interdire l'accès. La cité n'a jamais été aussi interdite. Quelques mètres plus loin, Jongnan Rai, le siège du gouvernement. Derrière cette porte travaillent et vivent les leaders du régime, confinés par la peur du virus. Impossible de s'arrêter à proximité. Enfin, dernier virage, le plus impressionnant. La plus grande place du monde, chargée d'histoire, avec le mausolée de Mao au milieu, totalement déserte.
place Tiananmen comme vous ne l'avez jamais vu. Deux comptes de serre. Ah oui, j'ai pas vu où c'était ce que ça. Ah ouais, des yeux du confinement. Vous voyez là? Attends. Ah, vous voyez. Ah, comme je me désire là. Il n'y a plus de métro, il n'y a plus de bus. On est de Pékin, c'est tout désert. J'ai jamais vu ça. Comment t'es fait? J'aime bien qu'on a. Bon, moi j'ai pas ce qui se trouve ça. Bon, moi, qu'on a. Je me dis que c'est fait de repartir du nouveau coronavirus. Vous voyez là, c'est tout desservi. Il n'y a plus rien. Mon gars, dis-moi, c'est quand il y a personne là. Qu'est-ce que tu crois là, là. Mais non. Vas-y, on fait un petit tips tout de suite. Ça, c'est le train de Chine. Ah, vous voyez dans le métro maintenant, et puis il n'y a personne qui le prend. Comment ils ont perdu du coronavirus? Mais non, c'est chaud quand même ce qui se passe en ce moment en Chine. Genre, toi à Pékin. Mais non, quand même pas. Vous voyez comment il n'y a pas de monde? Alors, c'est des tests de métro, c'est tout. D'accord, j'ai assez vu pour aujourd'hui. Du coup, on va faire une petite vidéo, on va se dire, on n'a pas le temps. Du coup, j'espère que cette petite vidéo coronavirus vous a plu. Et puis nous, on se retrouve demain. D'autres vidéos. Je vous ai pas dit, il y a moins de vidéos pour le moment là. Demain, au lieu d'avoir du rap, vous avez des ciels. Demain, c'est ça le programme. Sinon, à partir de lundi, il n'y aura plus de vidéos. Plus du tout. On verra comment ça se passe. Enfin, ça, je vais dire tout sur Instagram. Si quelqu'un ne sait pas encore abonné sur Instagram, je vous invite. Il y a toutes et à tous à vous abonner sur mon Instagram. C'est la botte et je vous donne les infos pour la semaine prochaine. Nous, on se retrouve demain, bien sûr, pour une nouvelle vidéo sur les tests sur ma chaîne YouTube. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, salut tout le monde, les amis, pour le moment. Bye.